Alors, dites-nous ce que c'est. C'est la mousse d'olive aromatisée avec un petit peu de piment, c'est génial. Alors, mousse d'olive aromatisée avec un petit peu de piment, ça vous la trouvez chez le Pergui, vous allez voir. Le stand, c'est vrai qu'il n'est pas, hein, on ne va pas le voir, mais il est là, le Pergui, c'est un fidèle, vous ne pouvez pas le manquer. En plus, le Pergui, eh bien, allez, on va dire c'est une figure de la fête de l'olivier. Hein. Voilà. Hein, ça fait quelques années que vous avez. Mais je me souviens une année, vous étiez habillé en moine, me semble-t-il. Oui, demain. Hein, ah, demain, ah, ben, c'est le dimanche, c'est le jour des moines. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, le Pergui vous propose savoir-faire et tradition, bien sûr, le pâté de canard. Et c'est bien nos délices du Pergui, c'est bien ça. La mousse d'olive noire aromatisée, la nouveauté. Alors, par contre, le Pergui, lui, il a carrément mis pas de CD, chèque en espèces. Chèque ou espèce, merci, mais c'est bien de préciser, hein, il n'y a pas de raison. Vous pourrez tout au long de cette journée. Je vous rappelle qu'actuellement, eh bien, derrière l'église, sur la place Victor Clément, intronisation par la commanderie du Rameau d'Argent, qui sera suivi d'un allez, un petit apéritif, ça sera, je suppose, un petit vin rosé bien frais, à boire avec modération et à consommer avec que ce soit des produits corse ou des produits provençaux. Quoi qu'il en soit, eh bien, actuellement, vous avez une démonstration de cuisine culinaire alors qu'on entend les cochons et les chèvres qui viennent de passer. Donc c'est vraiment la nature, c'est vraiment la campagne. C'est la 24e fête de l'Olivier tout au long de ces 48 heures. Merci de, eh bien, merci de nous filmer en direct. Hein, là, on est en direct avec FR3. Donc je pense aussi, je dis FR3, monsieur le maire va nous rejoindre. Non, non, monsieur le maire, ne nous rejoignez pas, c'est pas FR3, mais il y a une petite caméra donc qui me filme avec plaisir. En tout cas, merci d'être présent et ben, on se retrouvera tout au long de cette journée et durant demain. Voilà. Merci Pergui. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Les porte-monnaies, c'est du cuir, c'est tout du direct. On travaille en direct. Il y a des porte-clés, il y a des bourses, il y a des ceintures. Et tout ça, toujours pareil. Vous voyez les couleurs un petit peu. Bien, c'est les couleurs de la Provence. On retrouve les couleurs. Puis ici, à cette fête de l'olivier, donc 24e du nom. L'huile d'olive, bien sûr. L'huile d'olive, donc c'est la jouvence d'olive non filtrée, vierge et fruitée. Et lorsqu'on parle de la Provence, l'huile d'olive, bien sûr, on va passer à la figue. C'est la figue de Solliès. C'est la figue de Solliès. Oui. Voilà, donc figue de Solliès, donc là aussi. Si vous aimez les figues, eh bien c'est le moment, c'est sur le cours Voltaire. Et puis pourquoi pas, on va déguster une petite bière là-bas, derrière chez vous. Hein, derrière les figues, une petite bière avec l'antre de la bière. Il vous propose également de vous asseoir avec votre petit plat, peut-être une barquette de figues. Et bien sûr, de déguster la bière par la même occasion. Exactement, des très bières. Bière pression. Ah, ne mettez pas la pression. Hein, blonde du Gard. Voilà la blonde du Gard. Hein, la blonde du Gard. Ah oui, c'est la bière. Je croyais que c'était une blonde qui venait du Gard. Ah ben je m'assois pas, alors je continue. Merci en tout cas, la blonde du Gard, venez là, à l'antre de la bière pour déguster ce produit. Et il semblerait qu'à la pression, elle mousse beaucoup. La bière, hein, pas la blonde. Hein. Alors les olives, eh bien voilà, c'est la fête de l'olivier. Croque-olive, c'est l'apéritif gardoche, croque-olive. Donc, on va déguster la picholine, elles sont des beaux de Provence en plus. Hein. La picholine et de la luc aussi. On va retrouver le traditionnel bidon d'huile d'olive et la bouteille d'huile d'olive. Donc toujours en direct, on est sur le cours Voltaire, c'est la fête de l'olivier 24e du nom.
Et puisque pour bien manger et mettre dans la cuisine, il faut de l'ail, il faut de l'oignon, il faut des échalotes, et bien là aussi, l'ail violet de Provence, longue conservation.